transforme en shizo. Dans sa jupette, d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte Max et Casco, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants shizo les bat tous pour les réduire en compote. Super force et super vitesse, y'en a pas de 200 en espèces. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Chicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méca Bat, écrit l'enfer, qui est aussi trop super. Shizo, c'était Zatata, Shizo, c'est notre super nana. Morte au poulpe, sortie des mers, Shizo a plein d'adversaires. Bulle de pave et même Tara, faites gaffe, la voilà. Shizo, Kelly et Sheila font leur show. Shizo, tous aiment Shizo. Shizo, jamais on a vu un tel héros. Shizo, y'a que ce Shizo. T'en fais pas un peu trop? Oh, toi ça va. On a raté le bus et c'est ta faute. Oh, c'est toi qui sens mauvais. J'ai pas eu le temps de me doucher. Depuis quand? Un mois? Oh, s'il te plaît, mets-toi dans le sens du vent. T'es sérieuse? À ce point-là? Ça répond à ta question. Hé! Hey, j'ai peut-être débloqué un nouveau super pouvoir. La méga puanteur du mal qui fait mal. Face à des pouvoirs comme ça, les méchants vont frémir. La cloche a sonné, je savais pas si vous alliez venir. Oh, oh, je veux dire, vomir. Oh, c'est quoi cette odeur schlingante? C'est le capitaine Transpiration. Hé, j'ai pas honte, car c'est naturel. Tout comme les crottes de cochon. Attends, il faut que tu essayes mon déodorant méga macho méchamment musqué. Mais je... Ah. Waouh, c'est du costaud. Je me sens un peu bizarre. Tu es bizarre. À plus. Je suis sérieux là, il y a quelque chose qui... cloche. Guy? Mais t'es où? Hé, oh, oh hey, pourquoi tu t'es changé? C'est pour Mardi Gras? Non. Dis, tu peux te contrôler un petit peu? Si je pouvais. Allez, tous sur le terrain. Oh non, c'est pas vrai, pas maintenant. Ah, ça ne va pas, Andon? Oh, si, si, tout baigne. Oh! Chut! Oups, mauvais casier. À vos marques! Ouais! Ça chatouille! J'ai la... Arrête! Toi, arrête! C'est toi qui as la permutation transformatrice. Ça a l'air un peu snob. Comment on s'en débarrasse? Il va falloir que j'analyse les données. Ça peut prendre des jours. Quoi? Non! Il me faut un remède et tout de suite! La probabilité que ça arrive est de peu de chance à aucune chance. Hé, hey, regardez! C'est le gourou Lou McGrew, un thérapeute spécialiste du développement personnel des super-héros. Il pourra peut-être te guérir. Ça, tu vois, c'est dans tes rêves, Sorette. Jamais de la vie j'irai consulter une espèce de crétin New Age. Comment il s'appelle déjà? Y'a quelqu'un? Youhou! Gourou Lou McGrew, où êtes-vous? Et il faut trouver cette espèce de rigolo. Et vite! Vous ne trouvez pas le gourou Lou McGrew? C'est le gourou Lou McGrew qui vous trouve. Répondez à cette question. Quel bruit fait un doigt qui claque? Hé, hey, ça vient de par là. C'est vous le gourou Lou McGrew? Est-ce que j'ai l'air de ramasser des champignons? Et voici mon frère, c'est lui, Shizo. Et il n'arrive plus à contrôler ses... Oh. Ça, il faut l'aider. Ongong Maliki Blong. C'est plutôt lui qui a besoin d'aide. Un rat des champs n'est pas la même chose qu'un champ de rat. Et un loup peut hurler à la lune. Mais la lune ne hurle pas au loup. Ça risque pas. Non. Ongong Maliki Blong. Bon, je vous laisse. Attends. Car d'abord, tu dois résoudre une énigme insoluble, petit scarabée. Pourquoi le pompier porte-t-il des bretelles rouges?
Bah, pour retenir son pantalon. Ah, oui. C'est sûrement pour ça. Très bien. Le glorieux gourou Lou Magrou accepte d'être ton gourou. Je vais t'apprendre à ne plus craindre ta crainte. Car sache que ta crainte ne craint que sa propre crainte. Quoi? Plonge ta main parmi les araignées, petit tofu, et prends la carte qui se trouve dans le fond. Non, il n'y a pas moyen... Fais ce que je t'ordonne! J'ai réussi! Il y a écrit quoi? Seul un crétin plongerait sa main dans une boîte pleine d'araignées venimeuses pour attraper une carte. Oh, c'est pas drôle, je suis pas encore guéri. La patience est une vertu, petite queue de lapin. En d'autres termes... Tais-toi. Oh, alors là non, je rentrerai pas là-dedans. Je te garantis que même si tu entres en tant que chenille, c'est en tant que papillon que tu en sortiras, petit pamplemousse. Allez, vas-y, entre. Vous êtes sérieux? Comment ça pourrait me guérir? Aucune idée, mais je n'ai pas envie de le faire moi-même. Hé! Hey, ouvrez! Laissez-moi sortir de ce petit coin! Oh, crotte! Alors, es-tu prêt à prendre ton envol, petit bouton de fièvre? Ouais, mais je ne sais pas voler. Inutile de remuer le couteau dans la plaie, d'accord? Tu réfléchis peut-être, un peu trop. Non, non! Qu'est-ce que vous il faites? Il ne sait pas voler. Pourtant, il a une cape. Ouais, je sais, c'est pas logique. Vas-y, marche sur ces charbons ardents. Petit cactus en fleurs, des chaînes, tes pouvoirs cachés. Ça fait genre un million de degrés. Pense que le charbon est froid. Et que le froid est le charbon. Non, attends. Hein? C'est quoi? Des chamallows. Au cas où tu n'arriverais pas à traverser. Aïe, c'est chaud, trop chaud. J'ai mal, j'agonise, je souffre. Mais où est passé le pompier? Dis-moi, petit crottin de bison, le gourou Lou Magrou t'a-t-il appris à maîtriser ta peur? Quelle peur? Bonne réponse. Au fait, tu as une énorme bête affreuse sur le mollet. Je ne crains plus ma crainte, car ma crainte ne craint que sa propre crainte. Si tu veux, mais tu as toujours une énorme bête sur le mollet. Ah! Oh, Guy, tu t'es vu? Tu as eu peur et tu ne t'es pas transformé en ciseau. Waouh! Mais oui! Vous avez raison, j'arrive à nouveau à contrôler mes transformations. C'est hallucinant. En effet, petit furet des bois, tu as été guéri par le grand gourou Lou Magrou. Oh! Mais prends garde, petite mauvaise herbe. Les grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Alors, exploite l'inexploité et découvre de nouveaux pouvoirs. Ah, et zut, j'ai raté ma sortie magistrale. Alors, Guy, j'attends encore que tu me remercies de t'avoir trouvé le gourou. D'où vient ta pointe, à qui sait attendre, petit scarabée? Elle est bonne. Le pigeon! Oh, oh non! Il va gâcher le défilé de Megadel! Non, ça jamais! Vas-y, ma poulette! Oh, oh. Vas-y, ma poulette! Oh, où est Shizo? Où est Shizo? J'imagine que le gourou Lou Magrou est trop doué. Ouais, et c'est toi qui l'as déniché, alors c'est ta faute, petit furet des bois. Très bien, Shizo, j'ai les résultats de tes analyses. Alors, qu'est-ce que ça donne, Sheila? La structure de base de ton ADN a été altérée par certaines particules étrangères, ce qui t'a fait te transformer de manière incontrôlable. Et maintenant, grâce à Kelly, je me transforme plus du tout. Quel genre de particules c'était, Sheila? Il s'agit d'une composition brevetée que l'on ne trouve que dans le déodorant méga macho méchamment musqué. Je t'avais dit que c'était puissant. Non, arrête, non, je... Ouais, on dirait que Shizo va pouvoir reprendre du service. Et maintenant, elle sent le mal musqué. Approche-moi du pigeon, Maz. Il est grand temps de lui faire sa fête. Hé, hey, le pigeon, par ici, mon grand. Tu es sûr de toi? Alors tu veux faire un concours de cris? D'accord. Tu crois que c'est comme ça que tu vas me froisser les plumes, Shizo? Essaye encore! Tout ça est vraiment ridicule! Pourquoi est-ce que je peux pas voler alors que j'ai une cape? Surtout, n'oublie pas ce que je t'ai enseigné, Shizo. Répète le mantra et déchaîne tes pouvoirs jusque-là inexploités. Ah oui, d'accord. Ne crains pas ta crainte, car ta crainte craint sa propre crainte. Ne crains pas ta crainte, car ta crainte craint sa propre crainte.
Oh, wow! Ça y est, je vole! Oh, c'est carrément chinoui! J'adore cette cape! Quelle cape! Super cape! Génial, voilà qu'elle vole maintenant. Bataillon! Ouais, vas-y! Continue comme ça, Shizo! Regarde notre petite Sayemaz, elle vole! J'ai vu, ouais! C'est trop beau! Retraite! Retraite! Ah non! Ça, pas question! Cervelle de moineau! Filet hyper balistique! Ouais! Je me sens carrément chiouïque! J'arrive, les gars! Je vole! Ouais, ouais. C'est exact! J'arrive à voler! Et j'avoue que je suis même hyper... Ouh, ça, ça doit faire mal! Comme une mouche sur un pare-brise! Aouh! Je dois m'entraîner à atterrir!